Richard, ta femme, cette misérable Anne, ta femme qui n'a jamais dormi une heure tranquille avec toi, vient maintenant remplir ton sommeil d'agitation. Il m'a semblé que les âmes de tous ceux que j'ai tués venaient à ma tente, et que chacune provoquait la vengeance de demain sur la tête de Richard. Désespère. Et meurt. Allô? Oui, oui, c'est bien moi. Pardon? Une place. J'ai une place? Bon, j'imagine que vous vous souvenez de l'épisode 2. Je marche, je passe devant l'espace Lino Ventura et je m'arrête. Bonjour, je voudrais réserver une place pour le spectacle Richard III. Madame, on ne prend pas encore de réservation. Ah, et quand est-ce que je pourrais réserver? C'est bon? Allez, on reprend. Tout le monde en place? Moi, qui ne suis pas formé pour ces jeux folâtres, ni pour faire les yeux doux à un miroir amoureux. Ouverture des portes du théâtre. But I, that am not shaped for sportive tricks. Sophie, à la billetterie. Vois comme cet anneau enlace ton doigt. Ainsi ton sein enferme mon cœur. Johan, c'est musique, noir sale, puis ouverture rideau. Nico, tu lances la musique à mon top. Aïe, je suis revenu. Cas contact terminé. Test négatif. Entrée du public dans 5 minutes. Bonjour madame, bienvenue à l'espace Lino Ventura. Nous sommes ravis de vous accueillir à nouveau. Vous avez réservé? Une place, on m'a appelée ce matin. Vous êtes madame? Cancel. Alors, madame Cancel. Ah oui, effectivement, très bien. Eh bien, vous pouvez entrer dans la salle. Je vous souhaite une excellente représentation et un bon retour au théâtre. Merci. Vous patientez là 2 minutes, je vais venir vous chercher tout à l'heure. Installez-vous. Je suis le docteur Purgon. Est-ce que je peux voir votre réservation? Alors, madame Cancel, c'est la première fois que vous revenez au théâtre? Oui. D'accord. Bon, j'imagine que vous n'avez pas vu de spectacle dans les dernières semaines? Non. Le dernier spectacle, c'était? Il y a plus d'un an, février 2020. Tout est possible. Tout est possible, d'accord. Alors, pas de réaction allergique particulière? Non. Aux émotions fortes? Non. Au rire, aux pleurs, à la peur? Non. Au changement d'époque? Au voyage? Non. À la prose? Non. Vous supportez bien les vers, les alexandrins? Oui. Les auteurs français, étrangers? Oui, oui. Très bien, parfait. Pas d'allergie spécifique à un genre particulier? Comédie, tragédie, classique, contemporain? Non. Très bien. Alors, aujourd'hui, madame Cancel, on vous ramène au théâtre. Je dois vous avertir qu'il peut y avoir des effets indésirables. C'est du spectacle vivant, je vous le rappelle. Contrairement au traitement que vous avez suivi ces derniers temps, il n'y aura pas d'écran entre vous et les personnages. Donc, potentiellement, impact direct sur votre sensibilité. Rassurez-vous, il n'y aura aucun contact physique, juste une grande proximité avec les comédiens, les personnages. Proximité susceptible de provoquer chez vous des émotions exacerbées. Mais aussi, peut-être cela arrive, vous touchez en plein cœur. Pas de problème de ce côté-là? Non. Insuffisance cardiaque? Non. Très bien. Vous avez une préférence? Shakespeare. Shakespeare? Oui, Shakespeare.
Shakespeare, c'est un peu... Comment dire, c'est... Peut-être que pour démarrer, il faudrait être plus raisonnable, je dirais... Shakespeare, c'est fort, quoi. Ça secoue souvent, ça... Je vous conseillerais plutôt de débuter avec une comédie, du Molière, par exemple. Pour reprendre, ça me paraît... On a... Les fourberies de Scapin, Le médecin malgré lui, Le malade imaginaire... The life and death of Richard III. Pardon ? The life and death of Richard III. Richard III, carrément ? Oui. Bon, vous avez l'air d'y tenir. Votre dossier est plutôt rassurant. Allons-y pour Richard III. Par contre, si au cours du spectacle, vous avez le moindre vertige ou tout autre malaise, n'hésitez surtout pas à nous faire signe. Nous sommes là pour vous accompagner au mieux dans votre retour au théâtre. D'accord. Voilà, madame. Je vais vous orienter vers ma collègue. Par ici, s'il vous plaît. Shakespeare, Richard III. Je vous souhaite un très bon retour au théâtre. Merci. Bonjour, madame. Comment allez-vous ? Ça va ? Alors, vous êtes madame ? Cancel. Madame Cancel. D'accord. Madame Cancel, Monique. Voilà. C'est bien ça ? Donc, je vous pique à gauche ? Oui. Voici l'hiver de notre déplaisir, changé en glorieux été par ce soleil d'York. Je saurai le trouble fait de ces jours frivoles. Votre beauté est mon jour, ma vie. Elle m'anime comme le soleil anime l'univers. Clarence n'a pas un jour de plus à vivre. Je suis si loin dans le sang. Despair. Le crime entraîne le crime. Dis-moi de me tuer, et je le ferai. Demain, dans la bataille, pense à moi, et que ton épée tombe émoussée. Désespère et meurs. Midi. Au revoir. Allez, on se remet en place. Prochaine dose du jour, le malade imaginaire. Puis on enchaîne avec la cage aux folles, en attendant Godot. Et pour finir, derrière la vitre. Oui, vous avez bien entendu, derrière la vitre. Now is the winter of our discontent. Made glorious summer by the sun of York. And all the clouds that lard upon our house in the deep bosom of the ocean buried. Now, our brows bound with victorious wreaths, our bruised arms hung up for monuments, our stern alarums changed to merry meetings, our dreadful marches to delightful measures. Grim-visaged war has smoothed his wrinkled front. And now, instead of mounting barbed steeds to fight the swords of fearful winter. Thank you.
prend un siège. Prends un siège, Sinna, et sur toute chose. Prends un siège, Sinna, et sur toute chose, observe exactement la loi que je t'impose. Prête sans me troubler l'oreille à mes discours, d'aucun mot, d'aucun cri n'en interrompt le cours. Acte 5, scène 1 de Sinna, une pièce de Corneille. Représentation du 12 février 1981, 280 spectateurs bouche bée. Comme toi en ce moment. Sors-moi de là. Sors-moi de là. Les gens retournent au théâtre. C'est formidable.